Ça a été dur pour nous, mais je pense que pour Pau aussi. C'est vrai que ça, surtout en plus avec la chaleur, on n'avait pas les mêmes sensations que lors de la fin de saison dernière, où c'est que physiquement, on était quand même prêt après une saison complète. Donc ça c'est sûr. Après, je me répète, mais on a quand même vraiment été très souvent chez eux, et que ce soit en début de match ou en fin de match, sans scorer. Donc peut-être qu'on aurait mis ces essais-là, on se poserait peut-être moins de questions sur ce côté-là. Donc voilà, pour nous, pour ce premier match, c'est pas forcément abouti, et c'est loin d'être abouti même, mais c'est quand même quelque chose sur quoi on peut construire. C'est un match sur lequel on peut construire, et surtout c'est une victoire. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez positif. Ben, on sait que c'est aussi une équipe qui est sûrement pas à 100% de ses capacités, mais qui est composée d'individualités qui sont vraiment, vraiment costaud. Ils ont eu un changement de staff, donc peut-être un nouveau système de jeu. Donc j'espère qu'ils seront pas trop rodés samedi et qu'on pourra essayer de les accrocher. Mais ça va être très dur parce que ça va très vite, c'est costaud et c'est vrai, c'est une des meilleures équipes du championnat. Hein, donc on est prévenu, on le sait quoi. C'est clairement toi, rien de nouveau non plus. C'est un très gros pack. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité sur l'homme. Très très fort dans le 1 contre 1, des mecs agressifs quoi, et des mecs qui savent jouer au ballon. Il y a beaucoup de porteurs de balles dans cette équipe, donc il faut qu'on s'entende à être agressé, à répondre à ça, et bien sûr au Michelin. Donc on sait que l'atmosphère est spéciale et qu'à chaque fois c'est un gros match qu'il va falloir répondre présent, parce que sinon on peut en prendre une valise comme c'était l'an dernier.